Logic. I got a date with destiny. My heart says yeah, but can't convince the rest of me. I tried so hard to make it with no recipe. My selfish ways caught up and got the best of me. I need redemption, no need to mention my past. Cause all that matters now is bigger than diamonds and cash. The glitz, the glamour, the lights, the camera, the action. The stage, the fans, the speakers blasting. You know I want it, I need it, don't doubt it, I can't live without it. This is everything I've dreamed of, it's everything I've ever wanted. But is it really truly in my plans? Or did God mix up my blueprints? Did he have it right there in his hands? Anybody give me a hint? I can feel it now, I know it's coming. And I don't give a fuck what anybody say. I've fallen, I've risen, I chosen, selected, dismissed. And incarceration through these bars created a prison. And I intend to do the time that the sentence is given. 25 to life, yeah, that's how I'm living. Sometimes I wonder if... Donc bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Donc petit live ce soir, petit live ce soir tranquillement au calme. Donc est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la voix est bien par rapport à la musique? Dites-moi maintenant dans les commentaires. Baisse quoi la musique, le son, la musique, le son de ma voix. Dites comme ça, je sais. C'est bon, nickel, nickel, ok. Donc, pour ce... Oulala, donc déjà, j'ai failli déjà débrancher mon casque, donc ça commence fort. Donc déjà, comme vous pouvez voir, je suis en HD. Pour la simple et bonne raison que ça va pas être un live qui va durer trop longtemps. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un squad builder. J'avais pas prévu de vidéo pour demain, donc autant faire un petit squad builder et autant le faire en live, comme ça, au lieu de faire ça dans mon coin tout seul. Et afin d'avoir vos propositions, donc comme vous voyez, j'ai 58 000 de budget. Je veux partir sur un 4-4-2, donc je vous laisse me donner des petites idées. Puis on verra sur quoi on va partir. Donc j'ai envie de tester le 4-4-2 parce qu'il y a Zizou qui est en train de me... Enfin, qui me spam avec sa composition. Donc si vous avez des idées, voilà. Donc j'ai 58 000 crédits et voilà. Donc je vous laisse me donner les trucs quoi. Redivisie D1 belge. Une Ligue 1 avec ou sans Zlatan. Donc attendez, je vais quand même vous remontrer mes autres équipes, comme ça il n'y a pas d'entourloupe. Donc il y a la Zlatan Neymar d'ailleurs que j'ai modifié. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai modifié. Donc voilà. Oula, donc je vais faire tomber un carton, c'est le bordel chez moi là. Donc vous voyez, j'ai modifié l'équipe. Donc j'ai mis une défense vraiment plus solide. Donc Dédé, Felipe Santana à la base. Junior César, j'ai viré Maicon que j'avais acheté défenseur droit. J'ai mis Mariano, parce que Mariano ça reste une valeur sûre. Alves en MD, Luis Gustavo MDC, Zlatan en MOC, c'est une dinguerie, Lavezzi, Cavani que je commence à pas mal apprécier dans le sens où à deux buteurs c'est vraiment une tuerie, en fait c'est quand je jouais avec un buteur c'était pourri, et Neymar, ensuite la deuxième équipe, donc la FD puterie, donc le 5-2-2-1 anglais, donc là par contre j'ai plein de joueurs en moins, il faut que je les remette, parce que ouais, faut que je refasse mon banc du coup, donc ça va avec cette équipe là. Donc hop. Hop, je suis en train de tac. Donc ça c'est l'équipe. J'ai envie de tester le 5-2-2-1, le 4-1-2-2, le 5-2-2-1 pour voir ce que ça donne. Et franchement c'est pas mal. Enfin, ça change quoi. C'est différent on va dire. Mais c'est pas mal. Ça passe. Hop, toi, voilà. Donc ça c'est l'équipe. Donc pas de BPL évidemment. Pas de BPL évidemment, donc pas de Zlatan non plus vu que Zlatan est dans une autre équipe. Et ensuite là, non rare, ça c'est une équipe franchement que j'aime beaucoup. Une équipe avec que des joueurs non rares. Et franchement c'est une tuerie cette équipe, j'aime beaucoup. Donc voilà les équipes. Super Liga, Fun Liga avec Cavani, Falcao. Bah non, vu que Cavani il est déjà dans l'autre équipe, je me vois pas le changer d'équipe juste pour une équipe. Bronze sur le banc, ouais, c'est pas bien. Mais le truc, c'est que les bronzes, là, ils vont bouger, vu que... Enfin, si je veux mettre le 4-4-2, du coup, sur le banc de l'autre. Donc, il y aura plus de bronze. D1 portugaise. Il y a quoi de prévu pour ceux qui viennent d'arriver? Un squad builder. Donc, là, je suis en train... Tu veux quoi comme joueur? Skill, pas forcément. Je veux une équipe compétitive dans un 4-4-2. À noter qu'au niveau des contributions, évidemment, les MC, je veux du high-high en défensif, vu que bah c'est comme ça que tu défends. Et voilà, pareil pour les DC, je veux pas trop de mecs qui montent trop.
Une idée en portugaise, le problème c'est que j'ai déjà Mangala qui est casé dans une autre équipe et donc j'ai pas envie de remettre les mêmes joueurs. Une Bundes, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Après, le problème de la Bundes c'est que c'est revu quand même. C'est vu, revu. Serie A pareil, c'est assez. J'ai que soit. Ah oui, pour le budget, parce que je vois des mecs qui me proposent des trucs full boost. Je n'ai que 58 000 de budget. Enfin, entre guillemets que, c'est quand même déjà pas mal, mais vu toutes les équipes que j'ai à côté, mais j'ai que 58 000 de budget pour faire cette équipe. D1 belge, c'est vrai qu'il y a pas mal de monstres. C'est vrai que ça pourrait être pas mal, mais le truc c'est que la D1 belge, j'en ai fait pas mal déjà. Tu fais quoi après Squad Builder? Rien, c'est juste je fais le Squad Builder. En fait, c'est de. J'avais pas de vidéo prévue pour ce jeudi là. Donc en fait je fais la vidéo en live, comme ça il n'y a pas de. C'est plus convivial dans le sens où comme ça vous pouvez participer. Et puis demain si vous voulez vous pouvez la revoir encore et encore. Eredivisie, Monaco, Ligue 2. Bah, en fait moi j'avais pensé à faire une équipe avec Benzia en attaque déjà à la base. Après je sais pas combien il est Benzia, parce que c'est vrai que Benzia c'est une tuerie, j'ai envie de l'essayer. Pourquoi pas faire une bronze, une française bronze, ça pourrait être. Faudrait voir, je sais pas du tout ce que vous en pensez. J'avais pensé à une petite L1, L2 bronze avec que des Français. Benzia, c'est vrai que c'est une dinguerie, donc j'ai envie de l'essayer. Une K-League. Vous voulez que je mette du touch, les gars, j'ai que 58 000. Benzia, Boubacar, match fut. Non, je ne ferai pas de match, les gars, je fais mon squad builder. Bon allez, c'est parti, let's go, je crois que je vais partir sur ça, donc là, ou peut-être une française avec Benzia devant en tout cas. J'ai vraiment envie de le tester, le petit Benzia, on va voir ce que ça donne. Donc il joue en Ligue 1, par contre il est bronze, il est pas or. Formation préférée, 4-4-2, évidemment. Tout niveau, il est BU. Donc on va partir sur une équipe de France, tiens, une petite équipe de France, ça pourrait être pas mal. De BU. BU France. Bronze. Club LOL. 15 000, 15. Ouattatatata. Ah ouais, quand même. Ah quand même. Ah ouais, bon bah on va peut-être pas faire ça. Putain, écoute, chien. C'est quoi ce bordel? Comment il est cher l'enfoiré. Ah ouais, ça fait mal au cul quand même. Putain. Ah ouais. 15 000 d'un coup, donc là ça fait que déjà mon budget passe à 33 000 derrière. Oh putain, je vais me retrouver coincé, je sens. Ça fait si. Ici quand même. Benzia, 15 000. Je vais aller regarder un peu les. J'avais envie de tester, enfin de placer d'autres gens. Donc attendez, parce que je veux un truc solide. Alors c'est vrai que ça peut sûrement passer pour un truc cheaté, mais bon j'ai envie de vous dire. Il m'en fout, il y avait quelque chose de compétitif. Donc attendez, MC Toulouse. On va voir combien coûte le Sissoko Toulouse. Putain, 5 000, mais arrêtez vos conneries. Oh là là, comment c'est cher. C'est vrai que c'est cher quand même. Ça reste pas mal cher. Ah ouais. Ligue 1 MG français, on a quoi? On a Payet. On a Payet qui est. Ouais, là. Ouais, mais Payet, j'avais testé, mais j'avais pas du tout aimé. Ça le problème. Tabanou, je me vois pas l'acheter non plus. En MD, on a quoi? On a Ménès. C'est vrai qu'on a Ménès en MD. Mais putain, mais regardez les prix, 3000, 3. Oh lolo, c'est abusé. Moi je vais faire un petit squad builder tranquille, vous m'assommez avec des prix comme ça, c'est quoi ce bordel? Ménez. Ah ouais, c'est vrai qu'à la base il est pas MD aussi, il est AVD ou c'est pas quoi, donc ça paye le changement de poste. Équipe U20. Ouais, je sais pas du tout faire une équipe U20. L1 Silver. L1 Silver, ça revient cher, ça revient encore plus cher, il y a du Verratti et tout. Attendez, je regarde ce qu'il y a en MC. En MC, on a Sissoko Toulouse. Donc déjà, si je prends Sissoko à 5 000, l'autre à 15 000, ça fait déjà 20 000 en moins, il me reste 38 000. Et je sais même pas compter, moi, je sais même plus compter. Ouais, c'est ça, il me reste. Ouais, putain, je sais même plus compter. Il me reste 38 000. Ensuite,
Il me reste 38 000, ensuite je peux prendre Menez, donc ça me fait un petit. Donc je suis en train de réfléchir un peu au prix. J'ai envie de me faire une équipe de France. Après quand même, ça restera la défense. Ouais, je peux faire Kaboul. Bon, le truc cliché quoi. Kaboul, Clichy. Ensuite, il y a qui d'autre hein? Konko et je sais pas qui. Mangala, je peux pas le mettre parce qu'il est, je l'ai déjà placé dans une autre équipe en fait. Et je veux pas remettre les mêmes joueurs. Donc allez, c'est parti, on va partir là-dessus, on va pas se prendre la tête. Donc MC, Lyon, Toulouse. Point de Toulouse. Toulouse. 5003. On va prendre le moins cher. Hein. Évidemment, 5300. Toc. Putain, c'est cher. C'est cher pour du Sissoko quand même. Ouais, c'est pas grave. Thierry en BU. Je pense pas tirer en Rio BU parce que ça coûte cher quoi. C'est donc ensuite Benzia, c'est Benzia que je veux acheter, comme ça il n'y a pas des problèmes. 15 000, 19 000, 21 000, à 14 750, tiens, 22 contrats, bon c'est pas mal, tiens, ça va être toi du coup que j'achète. Certic en MC, ouais c'est vrai que Certic faudrait que je l'essaie. Je me rappelle, c'est je crois c'est Casca qui joue avec. Il m'avait fait pas mal son Certic, donc ouais pourquoi pas, je vais regarder ses stats. Donc voilà, il me reste 38 000 maintenant. On va voir ce que ça donne. Donc vous m'avez dit Certic, donc ouais c'est vrai que ce sera pas une équipe forcément or, hein. Il n'y aura pas du. Ça peut être une équipe, on va dire, qu'on voit assez. Enfin moi je. Déjà Benzia je le vois quasiment jamais. Donc argent Certic, vous m'avez dit donc. Trezeguet. Violeur, Sio en BU, une dinguerie, équipe U20. Ah non, je ne pourrais pas faire une équipe U20. Certic, c'est quoi ses contributions? Il a quelle contribution, Certic? Si quelqu'un peut me dire, que je sache. Certic, IRL, 100 dernières frappes, 0 but. Tu regardes pas les liens shoot aid? Bah les trucs c'est qu'en fait je suis sur mon. En fait là, pour vous expliquer, je suis en face de ma télé. Et à ma droite, j'ai posé sur mon canapé, j'ai posé l'ordi portable. Donc je vois juste vos. Je vois vos commentaires mais je clique pas en fait. Je suis loin de l'ordi portable. Bon là je me suis rapproché juste pour taper sur Futed les trucs. Donc attendez, Certic vous m'avez dit. Par contre Certic, ce qui fait chier, c'est qu'il y en a qu'un, il est à 4 000, il est même pas en achat immédiat. Et donc ouais, ça risque de mettre du temps. Grégory Certic, MEC. Il estime à 800. Aïe, aïe. Allons, on va le... Je sais pas, attendez. Je vais regarder les Français, du coup, je vais me regarder la liste. Les Français. J'ai failli m'étouffer. Mais Plazil en MC. Je veux du français, Plazil n'est pas français, les gars. Donc, MC, argent français, pas forcément Ligue 1. On va faire un petit tour, voir ce qu'il y a. Tiens, ça, c'est sympa. Ça peut nous faire découvrir de nouveaux horizons. Ah Mwemba. Ah ouais mais Mwemba j'avais pas trop aimé, je trouvais qu'il disparaissait pendant les matchs. Il y a Pogba aussi, que bon après je peux le mettre en. Je peux prendre la version or. Sané. Style Malbranque, ouais bof. Peut-être je vais prendre un Pogba, j'en regarde en or du coup. Hop. Cabaye en MC. Cabaye c'est limité, c'est lui le top du top en MC, mais j'ai pas les crédits. Ah M Villa, c'est vrai qu'il y a M Villa aussi. M Villa que j'avais bien aimé d'ailleurs, M Villa j'avais testé, j'avais bien kiffé. Et Diaby je l'ai déjà casé dans une équipe. Ah M Villa il me donne bien envie là de le prendre. Version Reine ou Rubin Kazan, ça change pas grand chose je pense. Je pense que je vais prendre une version au hasard, on verra bien. Doumbia et tout. Bon, peut-être pas Doumbia. On va pas abuser les mecs non plus. Donc, Futed, on va vite faire regarder ce qu'il a comme contribution. M Villa. Là je fais trop puriste, j'aime trop. M Villa, CDM. Central. Medmed. Ou alors je prends la Sanadiara. Ou alors je prends la Sanadiara. Guilavogui. Chantôme, Diaby, prends Vira. Ah, Vira, ce sera l'année prochaine. Diaby, je l'ai déjà pris. Il est dégueulasse, l'as. On va prendre, Yann, alors. Le petit Yann M. Villa.
Donc par contre, on va prendre la version Rennes. Rennes, Stade Rennais, par contre, j'ai déjà passé Stade Rennais, voilà. Ensuite, on va voir le moins cher. Je crois que ça se situe dans les 4000 à peu près. Ouais, ça va être ça dans les 4000, 4002, 4003, 4002. Lui là, 4300. Bon bah, fuck that, on va prendre la version russe. Ça peut me faire économiser un petit 1000. C'est déjà ça de prix. Russian League, c'est où? Russian League. Il joue dans quel club déjà, lui? Rubin Kazan. 3009, 3007. Hop, on prend celui qui a le plus de contrats évidemment. Et voilà, nickel. Bonne mère, grosse frappe, Planus. Ah non les gars, il faut quand même que l'équipe soit compétitive, c'est ça le but, c'est de faire une petite équipe compétitive, on va dire sympathique, dans le sens où... Alors moi c'est Benzia surtout que j'ai envie de tester, parce que c'est vrai que... On m'a dit beaucoup de bien de lui dans le jeu, donc j'ai bien envie de le tester quand même. Ensuite France, donc là du coup, hop, on quitte ça. On va voir les MD, je me vois pas prendre Biabiani évidemment parce que bon. Biabiani c'est assez claqué quand même. Je pense que je vais prendre Benzema en attaque. Parce que ça reste quand même une valeur sûre dans le jeu. 3002. 3100, on va voir, on va baisser. Menez. Je vais prendre Menez à droite, parce que déjà tu peux faire un peu de skill quand même. Menez qui est vraiment bon dans le jeu, moi j'avais bien aimé déjà au tout début de FUT, quand j'avais commencé FUT, je trouvais que c'était une des petites pépites de ce FUT. C'était une petite pépite, 13 contrats, hop, nickel. Bon, il a pas du tout de forme, mais bon, ça c'est pas un problème, donc Menez, hop. Comme ça en même temps, ça me fera une prochaine équipe pour le prochain Race to the Cup, parce que c'est vrai que là j'en ai pas... J'en ai pas sous le coude, enfin j'en ai pas, si j'en ai trois, des nouvelles d'ailleurs, mais histoire de pouvoir en avoir encore une de près de côté. Ensuite le milieu gauche, alors là c'est le milieu gauche, c'est soit je fais cliché et je prends Nzogbia, et là ça va gueuler, soit je sais pas, milieu gauche, vous me conseillez qui milieu gauche? Parce que Payet je me vois pas le prendre parce que j'ai pas du tout aimé la version TOTS, alors la version normale. Titi, Alessandrini. Alessandrini, Zogbia, Ribéry, ouais, pas les crédits. Alessandrini, c'est vrai qu'Alessandrini, ça pourrait être pas mal. Parce que c'est vrai qu'Nzogbia, c'est pas cher quand même. Ça reste pas cher le Nzogbia. Après, le problème, ça reste les crédits, c'est ça le truc, c'est que chiche. Oh, ça coule là quoi. Ah, c'est dommage qu'il ait pas 4 étoiles, sinon j'aurais bien pris. Je prends lui sinon. Ah, je peux pas, merde. Bon. Alessandrini, t'auras pas assez de crédit pour Alessandrini? Ouais, je crois que je vais prendre Nzogbia. C'est vrai que si je prends Alessandrini, après ça me réduit considérablement mes crédits. J'ai quand même regardé, mais au niveau du prix, je pense que il doit pas mal allumer encore aller de Alessandrini. On a Kakuta sinon, Pereira. Moi, je veux quand même un mec qui a au moins 4 étoiles, quoi, histoire de faire un peu de skill. Quoi. Roudé, putain, une tête tout ronde, Roudé. Une tête d'œuf. Donc, on a quoi? Prends Titi. Non, Titi, il est pas assez rapide. Pour un... Il me faut quand même un mec qui déborde, quoi. Je veux pas... CV, Henri CV. Pas 4 étoiles, bon vas-y, c'est qu'on va faire cliché, on va pas se prendre la tête. MD, MG, or, Nzogzog. Barclay, Aston Villa. Prends Morel. Je suis Morel. Ça va être cliché, ça va être le cliché encore. Cliché. Putain, pas de contrat, foutez de moi les gars, en plus le prix des vu le prix des contrats. Putain, mais les gars, ils ont plus de contrat, t'achètes des mecs, ils ont plus de contrat. Vous savez, le jour tu achètes 1500, tu dois racheter un contrat qui coûte maintenant au moins 500. Et genre, il te revient à 2000 limite. Ça coûtait rien avant, Enzo. Ça coûtait 900 même pas.
T'as dit prochain live, le match contre abonné, bah ce sera plutôt un autre encore. Parce que là, je vais pas attarder, moi. Après, je vais sûrement aller me coucher, les gars. Moi, je taffe hein, la journée. Je suis en plein travaux en train de refaire ma chambre, donc... Moi, je me couche trop tard, parce qu'on fait ça le matin, histoire de bien faire chier les voisins. Mais bon, non. Hein, Manchester City. Evra, j'avais pas trop aimé. Evra, j'avais pas vraiment aimé. Elle arrive quand la FAQ, je pense que ça sera plutôt dans la semaine prochaine parce que là j'ai vraiment pas le temps. Là je me pose vite fait le soir mais j'ai pas le temps la journée vu que je suis en plein dans les travaux de ma chambre. Donc ça sera sûrement la semaine prochaine, vous inquiétez pas, elle arrivera hein. De toute façon. Vous verrez bien quand elle sera là. Vas-y, Clichy, 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 hop. Tremolinas. Fat le bricoleur. Oh putain je l'ai déjà. Oh le con. Non. Merde, non. Oh non. Putain, fais chier. Je me suis fait baiser. Bon bah, un autre DG français. Putain, fais chier. Bédimo. Français, les mecs. Français. Evra 4. Oh, vas-y, mec, c'est de la carte, s'il te plaît. Alice Toko, moi t'avais fait un super match. C'est pas depuis... Ah ouais, il est dans l'autre équipe, putain. Aubameyang DG, Dabo de l'OL. Je me suis fait arnaquer. Dabo de l'OL, hein. Oh, ça peut être pas mal, faut voir, je sais pas. Je sais que... bah, le Dabo de l'OL, honnêtement, là, on l'a testé. Il y a Prem qui l'a testé contre moi, vite fait. Alors, il est dégueulasse, mais il a quand même réussi à me rentrer un long shot avec. Après... C'est vrai qu'il est dégueulasse quand même le petit. Chier Sissoko. Putain j'ai personne sur le côté gauche en France. Digne. Digne, digne, digne. Ouais, je sais pas du tout. Argent, on va voir ce qu'il y a. Y'a pas un mec qui court vite. Il me faut un mec moi qui va vite. Dabo. Putain 7006, vous êtes malade, mais j'achète pas Dabo. 7600 hein, Dabo. Mec il est tout claqué. Tu sais quoi, on va acheter Sissoko. Hein. En plus, il est bien fait, je crois, il a sa vraie tête dans le jeu. Bon, vas-y, allez, on va l'acheter. For fun, man. 600, il coûte que dalle. Oh putain, merde, ça vit dalle. Ah non, même pas, c'est lui. 600, allez hop. Sissoko. Sissoko, on va voir ce qu'il donne dans le jeu. D'ailleurs, tiens, je l'ai jamais essayé, donc c'est une nouvelle occasion pour moi d'essayer les nouveaux joueurs. Défenseur droit Corsia, vous êtes malade, je prends pas Corsia, je vais prendre Jallet. Juste pour le fun, je vais prendre Jallet. Tiens, je le prends maintenant. Juste pour le fun, on va acheter Cricri. Acheter Cri 1, mon pote. Il est où Ligue 1? Ligue 1, Ligue 1, Ligue 1. Ligue 1, Jallet, Cri 1, hop. Paris Saint-Germain. Comme ça, je pourrais même l'insulter quand je jouerai au jeu. Là j'allais comme ça, il n'y a pas de galère. Par contre ça met du temps à charger. Voilà, putain attendez, je vais pas payer un j'allais 1000 crédits quand même. Ouh là là là, qu'il est thug, il est méchant. Et regardez, il regarde méchant en plus. Pff, c'est parti, let's go mon pote. Krill là, allez mon pote, c'est parti. J'allais, je sens qu'elle va envoyer du lourd cette équipe. J'allais Sissoko sur les côtés. Pff, je crois que tu peux pas faire plus paumé que ça en niveau arrière. Niveau arrière. Latéraux en France. Allez hop, DC maintenant. On attaque les DC. T'es pitoyable à te foutre de J'allais. Non. Sako. Zuma. Koscielny. Zuma, Sako, Boomsong, oh non Boomsong les gars, essaye même pas de centrer avec Jalea, je sais même pas si ça marche les centres avec lui. Donc déjà c'est sûr je prends Kaboul, donc déjà ça c'est sûr je prends Kaboul, après ça va être son compère de la défense, qui ça sera, aucune idée. Par contre Kaboul je crois que Kaboul il allume, ils l'ont allumé maintenant niveau prix, il allume de ouf. 4600. Ah non, ça va, là quand même, il a rebaissé. Il y a un moment, le Kaboul, j'ai trouvé à moi, plus à moi. Minimum, c'était 6000, le Kaboul. Je sais même pas ce qui s'était passé. Zuma, Rose, Mangala. Je peux pas tester Jalès et tout. Ouais, Jalès, c'est au-dessus du soleil, mon pote. Après, tu peux pas faire plus haut que ça.
Umtiti Mbiwa, puis Grenier, Delpierre, Sako, Zuma. Tac tac tac, 10, 10 contrats, c'est pas mal. Puis Grenier au planning. Oh putain, mais je l'ai lui aussi. Il va te faire enculer, putain, mais c'est pas possible. Mais je suis con, en plus je les monte les équipes avant avec les joueurs, mais putain, mais quel con. Bon bah ça va être quoi la défense, putain, mais quel con. Ça fait deux. Ça fait deux, tu t'es fait baiser, tu m'étonnes. France, vas-y Ligue 1 mon pote, vous m'avez dit Umtiti a prendu l'argent des joueurs. J'ai jamais joué avec eux, on va voir ce que ça donne. Donc Ligue 1, Saint-Etienne. Ouais mais vas-y les gars, ils allument en plus niveau prix ces joueurs là. T'es mince. Pff. Ils ont intérêt à être forts à ce prix là. Oh. Zuma, il fait quelle taille? 1m87. C'est quoi ses contributions à Zuma? Varane, il est là, il est archi lent les gars, je peux pas mettre Varane. Oh, de toute façon au point où j'en suis, il y a Jallet, donc à partir de ce moment là. Je peux mettre limite n'importe qui quoi. Je voulais même pas voir Varane, je voulais voir Zuma. Les contributions de Zuma, les work rate. Med. Et Umtiti, ça dit quoi? Umtiti. Samuel qu'on l'appelle. Puis je fais des rimes, tout ça. Aïe. Med. 1m80. Ah ouais, il est trop petit, je peux pas le prendre. J'aime pas ton équipe. C'est pas un problème, hein. Dio, Boomsong, Galas. Il te fallait ça pour tester Benzia. Qu'est-ce que c'est que l'équipe que tu m'envoies? Vas-y, tu m'envoies du Wellington, McGeady. Non, ce n'est pas bien de faire des trucs comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien d'envoyer des teams comme ça, les gars. Umtiti, Zuma, puis Grenier, Delpierre. La casette est vraiment fort. Oh, peut-être dans le jeu. Zuma. Déjà Sako, mon pote. Ça va être sûr, ça va être Sako. Oh, putain, ça fait chier de le prendre. Sako, PSG. Le Paris Saint-Germain. Colin, s'il te plaît. Colin. Tu l'as déjà? Non, Sako, je l'ai pas déjà. Ne me dites pas des trucs comme ça fait flipper. Putain, il coûte rien du tout, Sako. Là, on est loin du prix du Tots, hein. Putain, le Tots, c'est vrai qu'il a... Oh putain, mais pourquoi ça baisse comme ça? Le Tots, c'est vrai qu'il allume niveau prix, quand même. Après, c'est vrai qu'il est monstrueux aussi, mais... Niveau prix, ça allume sévère. Skilachi. Oh, les gars, respectez-moi, donnez-moi des vrais blasts, putain. Test rose de Valenciennes argent. C'est un décès j'espère. Ligue 1 VA. Valenciennes FC. Rose on m'a dit. C'est quoi votre rose là? Il est même pas chez moi, il le trouve même pas. Il est bronze. Rose et bronze. Ok, bronze. DC bronze, donc à tous les coups il est pas disponible en 4-4-2, donc déjà je le prends pas vu qu'il va pas être en 4-4-2. Ah ouais, d'accord. T'as des vrais stats en fait toi mon pote. Ah d'accord. Ah si, je peux le prendre. Si je mets un gardien français et tout, il aura 9 de co. Vu qu'il est en 4 def. Par contre toi t'as un 4. Putain, il a 77 de vitesse le bordel. Depuis quand t'existes dans ce jeu? Pourquoi tu fais ça? Deux contrats, bon, je sais que c'est pas grave. Je t'ai dit ou pas? Oh bah merci. Merci, merci. Mais lui, il était pas en Ligue 2 ou un truc comme ça? Parce que j'avais cherché, moi je le trouvais en Ligue 2. Enfin, je le cherchais, je le voyais en Ligue 2. Parce que j'avais préparé une petite équipe Ligue 2, enfin... Une équipe bronze, et j'avais prévu de le mettre. Mais après, le truc, c'est ça, c'est que là... Comme des lois des armes, n'importe quoi. Et ensuite, le gardien.
Alors le gardien il est français, donc gardien français dites-moi qui, puis on verra où j'en suis sauf frais évidemment. Carrasco, Jano, Areola, Areola tu le trouves, je le trouverai jamais dans le jeu. Donc attendez, je regarde un peu la gueule de l'équipe là, ce que ça donne. Parce que... Ah oui, j'ai même pas acheté mon autre BU encore. Bon, on va l'acheter en dernier. Donc ouais, il a bien 9. J'espère qu'il est droitier. Ouais, il est droitier, donc c'est parfait. Ouais, elle a une belle petite gueule quand même cette équipe. Pas très très cher en plus. Bon, j'ai perdu pas mal de crédit parce qu'évidemment, comme un con, j'ai acheté des joueurs que j'avais déjà, mais bon. Ça c'est pas un problème. Donc ensuite, bah le gardien. Le goalkeeper. Donc qu'est-ce que vous me proposez? Barthez, Carrasco, Vercoutre. Tu fais un match après? Non, je ferai un resto de cup dessus, mais après je coupe seulement et demain je mettrai la rediff sur YouTube. Ochoa, Edel, Nicolas Pinto, Ruffier, Ochoa. Pourquoi Ochoa les mecs, je peux pas. Je peux pas mettre Ochoa, il n'est pas français. Fallait prendre Griezmann à la place de Menez. Non merci, Sirigu, Vercoutre, Sirigu, Mandanda, Jano, Ryu, Vercoutre. Bon. Les décès sont en L1, donc Sirigu, oui, mais je veux en français. Bon, bah, tu sais quoi, enfin, vous savez quoi, comme on est dans le ridicule avec Jalais, on va prendre Vercoutre, on va rester dans le ridicule. De toute façon, je pense qu'il coûte pas si cher que ça. Du moins, j'espère. S'il coûte cher, on va pas rester dans le ridicule. Mais Landro. Ouais, c'est vrai que Landro... Ah non, Landro, il est pas bon. What the fuck? Quoi? Hein? Pour nous faire foutre, moi, je prends pas... Je le prends pas, lui, je peux... Non, non. Il coûte trop cher. Fat, Lloris, c'est bon. Non, j'avais pas du tout aimé Lloris. On va prendre Landro. Pour faire plaisir à ceux qui me proposent de Landro. En plus, comme je comptais faire une... Ah, c'est vrai, il faut que je fasse une V3, ça. Je sortirai ça la semaine prochaine, sûrement. La V3 des anciens du PSG m'énerve. Il faut que je fasse une V3 dessus. Et bah, comme ça, j'aurai déjà un gardien de prêt. Je vais prendre la version LOSC ou Bastia. J'ai envie de dire, on s'en fout un peu. C'est la même chose. Elana, putain il a une stat en position non dégueulasse. Dégueulasse. Lorsque vous vas-y Bastia. SSC Bastia. 1800 crédits. Oh les bâtards, il le brade. Il doit être vraiment nul. Il doit vraiment être nul quoi. Philippe Melo. Frais, bon ouais frais, franchement il est intéressant. Il coûte pas très cher, il est intéressant, tu peux le placer, tu peux faire une petite hybride comme j'ai fait Mangala, Ogbonna, tu vois, ça peut faire un lien entre les deux. Et franchement, ouais, pas mal. J'ai bien aimé. Et enfin, le BU. Le BU français. Alors, le BU français, on a le choix entre Benzema. Voilà. La casette, il coûte plus cher que Benzema, et la casette, je l'ai testé dans le jeu, et j'ai pas du tout aimé. Je trouve que c'est du tout droit, seulement. Gamero. Il faut un mec qui est rapide un peu quand même. Bon, juste pour vous faire plaisir, je vais regarder le prix de la casette. Mais je vais vraiment, pour moi, je vais pas le prendre. Voilà. Parce que Benzema, il a une grosse frappe en plus. Ouais, comme je vois des mecs qui disent la grosse frappe de Benzema. Regardez la casette, son prix, les gars. 20 000. Je vais pas mettre 20 000 sur ça. C'est un tout droit, 86 de vitesse, c'est tout, il sait juste courir. Moi j'aime pas, franchement, j'ai essayé dans le jeu, j'aime pas aller à Aliadier. Il faut un mec technique, quoi. Sinon je fais le mec, je prends Rémi, quoi, mais pff, ça m'intéresse pas de prendre juste Rémi. Cissé, ah, y a pas mal de gens qui veulent que je prenne Cissé. C'est quoi, on va prendre Cissé comme ça. On va prendre un petit Djibril. J'espère juste qu'il est pas cher. Russie à Nig. C'est pas ça, c'est là-bas la Russie à Nig. On va prendre un petit 6C, puis voilà, après on aura l'équipe de fête, et puis bah vous verrez ce que ça donne dans un Race to the Cup, si l'équipe est bonne ou si c'est de la merde. Vu comment c'est parti, je pense que ça risque d'être compliqué quand même, parce qu'il y a du jalet, mais 500 crédits. Il a combien l'autre 7? Ouais, bon, vas-y, au final ça revient au même, vu que... Hop.
Jibril, et voilà, donc on a l'équipe qui est complète, on va retourner dessus pour voir ce que ça donne. Cissé, et voilà, let's go, on a notre équipe française, on va dire entre guillemets, un petit peu originale, même si c'est vrai qu'il y a quand même du joueur cliché, j'ai envie de dire. Donc, il y a du joueur cliché, mais il n'y a pas Clichy. Vous avez compris le petit jeu de mots vraiment subtil et complètement merdique. Voilà, donc tout le monde a 9 de collectif, évidemment. Puis voilà, quoi, c'est... Sur le papier, elle est plutôt intéressante. On va voir ce que ça donne, évidemment, en match. On verra ça dans un Race to the Cup qui sortira, je sais pas, peut-être ce week-end. On verra bien. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que là, bah, je vais arrêter ce live. Puis ça, bah, pour ceux, je vais arrêter ce live. Ensuite, il y a quoi d'autre que je peux vous dire? Donc demain, il y aura une vidéo, il y aura le débrief. Et sortira le débrief de peut-être alors ce soir ou demain, je sais pas comment je vais faire, ça dépendra de mon upload, on va dire, si ça met trop de temps ou pas. Le débrief des tirages au sort de la Ligue des Champions, car c'est tout à l'heure à 18h. Et donc bah voilà, puis ce week-end peut-être un Race to the Cup, et lundi évidemment, le débrief de la quatrième journée de Ligue 1. Donc voilà, donc merci à vous d'avoir suivi ce live, vous étiez pas mal, hein, vous étiez pas mal, presque 200, à presque 2h du matin, c'est vrai que ça fait beaucoup de gens. Et donc c'était Fatma80HD, je vous dis à la prochaine les gens, prenez soin de vous, bye tout le monde, et pour les matchs, faudra attendre le Race to the Cup, voilà. Bye tout le monde, prenez soin de vous, bonne nuit à ceux qui vont aller se coucher, ciao ciao.